Madame, monsieur, bonjour. Enseigner, le plus beau métier du monde, Sharif Hamidi en est convaincu. L'éducation étant la clé de voûte du développement de toute société pour accomplir ce qu'il considère être une mission. Sharif Hamidi mise sur une pédagogie innovante avec son projet Éducation 4.0. Il s'est fixé comme objectif d'offrir aux jeunes générations une meilleure éducation en ayant recours à une nouvelle technologie pour répondre aux enjeux de la 4e révolution industrielle. Un projet qui lui a valu d'être nominé avec 49 autres professeurs pour obtenir le prestigieux Global Teacher Prize, une compétition initiée par la Fondation Vaquet et qui récompense un professeur qui apporte une contribution exceptionnelle au métier. Sharif Hamidi est un professeur qui a donc la cote et il est aujourd'hui sur notre plateau. C'est l'invité de la rédaction. Bonjour Sharif Hamidi. Bonjour Melinda. Alors avant de parler de votre projet Éducation 4.0, ça vous fait quoi d'avoir été choisi parmi plus de 10 000 candidats issus de 179 pays et d'être en liste donc pour recevoir le prix du meilleur professeur au monde au titre de l'année 2019? Écoutez, je suis content, très fier de pouvoir représenter mon pays et très ému de faire partie d'une telle cohorte d'éducateurs inspirants. Et pourtant, je sais que notre travail n'est pas terminé, qu'il reste encore beaucoup à faire. Je suis donc désireux de continuer de développer nos travaux pour réaliser la vision de notre entreprise sociale Ed4.0. Alors, parlons brièvement de votre parcours. L'année dernière, le magazine Forbes Middle East vous a sélectionné parmi les 30 personnalités arabes les plus influentes de moins de 30 ans. Vous êtes né à Meknès, vous avez débuté votre carrière dans le secteur bancaire. Vous avez d'ailleurs participé en 2015 à l'organisation du Forum économique mondial. Et suite à cela, vous êtes lancé dans l'éducation, donc avec votre projet associatif Éducation 4.0. Alors vous êtes passé du secteur bancaire à l'éducation. Comment vous est venue l'idée et l'envie justement de vous diriger vers ce secteur-là ? Effectivement, je suis passé de la banque d'affaires et du conseil en strat à l'enseignement et l'entrepreneuriat social. En revanche, j'aimerais préciser que la plupart des clients avec qui j'ai travaillé et la plupart des missions que j'ai eu l'opportunité de diriger étaient dans les secteurs de l'éducation et de la technologie. J'ai donc eu l'opportunité de concevoir des réformes éducatives pour des ministères, des gouvernements. Donc, après, je viens d'une famille de pédagogues, d'enseignants. Mon père est professeur enseignant, bien qu'il soit à la retraite. Il est toujours engagé et il continue d'être mentor à plusieurs de ses élèves. Donc on peut dire que c'était une vocation finalement. Alors éducation 4.0, de quoi s'agit-il concrètement? Alors éducation 4.0 ou Ed4.0 est une entreprise sociale qui, grâce à la technologie, s'engage à préparer les jeunes citoyens à la 4e révolution industrielle. Nous développons donc des programmes pédagogiques innovants basés sur l'enseignement différencié, des solutions EdTech alimentées par l'intelligence artificielle pour développer les compétences cognitives et fondamentales, booster la capacité d'innovation et former cet esprit critique du design et system thinking chez ces jeunes qui n'ont pas accès à une éducation de qualité. Au Maroc, nous gérons trois projets principaux. La Ed4.0 mobile, qui est notre projet phare. Je conduis cette école mobile avec mon équipe et on parcourt les villages du Maroc, surtout dans la région de Fès-Meknès, pour dispenser de cours accélérés dans le calcul. Et l'objectif, c'est de combler cet écart de rendement en mathématiques. Il y a aussi la bibliothèque marocaine, qui est une initiative qui vise à engager les Marocains à participer à des collectes de romans et de livres au profit des enfants défavorisés des milieux ruraux, dans l'objectif d'augmenter le taux d'alphabétisation en suscitant l'amour de la lecture, mais aussi pour engager les Marocains dans des activités sociales et surtout les jeunes issus de milieux urbains. Alors vous venez de mettre en place tout récemment un espace pédagogique dans un village vers Sefrou. Exactement. Le Smart Lab, penseront, si j'ai bien compris, initié à l'éducation civique, mais aussi au concept de développement durable. Tout à fait. Donc on vient de l'inaugurer dans le village de Tazouta, pas très loin de Sefrou.
Et il s'agit donc d'un espace pédagogique high-tech alimenté par l'énergie solaire pardon, où les enfants ont accès à des cours de soutien sur des méthodes pédagogiques innovantes conçues par l'équipe Ed 4.0, dont le thème de la citoyenneté globale et les objectifs de développement durable. Cet espace servira aussi pour les membres de la communauté. Ils y seront formés également. Là, on voit d'ailleurs en image justement qui s'affiche juste derrière. Exactement. Donc les membres de la communauté, ils seront formés également à des compétences qui les prépareront à pénétrer les marchés du travail et à améliorer leur qualité de vie. Alors selon une étude du McKinsey Global Institute, d'ici à 2030, 800 millions d'emplois seront menacés Exactement. Par l'automatisation. Alors pensez-vous que les systèmes d'éducation doivent finalement s'adapter à ces chiffres qui ne sont aujourd'hui que des prédictions? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de modèles pédagogiques obsolètes? Tout à fait. Nous sommes à l'aube d'une quatrième révolution industrielle technologique qui va fondamentalement tout changer. Nos relations aux autres, notre façon de travailler, de vivre, de coexister. Et cette révolution se caractérise par une fusion des technologies qui gomment les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Comme vous l'avez constaté, cette révolution a un impact sur les marchés de travail et donc nécessite des réformes majeures dans les systèmes d'éducation. Pas seulement au Maroc et dans les pays émergents ou les pays développés, mais aussi dans les pays les plus développés, tels les États-Unis, l'Europe, etc. Donc on doit se libérer de ces modèles archaïques et penser à utiliser la technologie, l'Internet, l'intelligence artificielle comme véhicule, comme moyen pour se briser ce modèle économique à coût fixe élevé de l'éducation, mais aussi pour optimiser les processus d'apprentissage chez les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes. Alors revenons à présent au prix du meilleur enseignant au monde. C'est déjà une belle reconnaissance en soi que d'être sélectionné parmi des milliers de candidats, je rappelle, sur près de 179 pays. Alors si vous gagnez le prix, vous empochez la coquette somme $1 million. Que comptez-vous faire avec une telle somme? Alors déjà, je suis très content de pouvoir faire partie de la liste des top 50. Après, si je gagne le prix, je compte investir cet argent sur trois projets. La Ed 4.0 mobile, qui est notre école mobile. Vous savez, mon rêve, c'est de voir une douzaine d'écoles mobiles Ed 4.0 qui parcourent non seulement le Maroc, mais l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième projet, c'est le Smart Lab qu'on vient de montrer. Le troisième, c'est ce logiciel qu'on est en train de développer, révolutionnaire, un logiciel SaaS alimenté par l'intelligence artificielle. J'aimerais bien en profiter pour faire un appel à toutes les bonnes volontés pour se joindre à nous dans cette mission Ed 4.0, les citoyens, mais aussi et surtout les acteurs privés et publics pour améliorer le système éducatif au Maroc. C'est une mission qui appartient à tous les Marocains. Bien entendu, bien entendu. Et justement, est-ce que vous comptez, parce que vous parliez justement d'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous comptez justement exporter? Donc là, c'est au Maroc. Je sais que voilà, vous êtes basé entre Dubaï, les États-Unis et ici au Maroc. Est-ce que vous comptez justement l'exporter à d'autres pays en Afrique? Vous savez, notre ambition, elle est étalée sur le continent africain et le Moyen-Orient. Mais mon rêve, c'est de faire du Maroc un projet phare pour le reste de l'Afrique. Merci Sharif Hamidi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Éducation 4.0 et que vous êtes en lice pour remporter le prix du meilleur enseignant au monde pour l'année 2019, prix qui sera remis aux gagnants à l'occasion du Global Education and Skill Forum et ce sera à Dubaï en mars prochain. Bonne chance à vous. Et merci chers téléspectateurs de Médien TV d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.